dans une vidéo haul. Vous avez été nombreuses à me la demander, je vous avais posé la question dans ma vidéo précédente, donc je vous la fais. Ah oui, juste un petit point, donc comme vous pouvez voir, j'ai des extensions. Oh, mes cheveux sont hyper longs, c'est trop beau. J'ai fait des boucles, c'est des extensions de chez Luxury Princess. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour les cheveux comme ça. Donc on va commencer dans un premier temps par le make-up. Donc voici cette magnifique palette de chez Sigma. C'est la Brilliant and Spellbinding palette. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous avez pu la voir dans ma vidéo précédente. Elle est magnifique, voilà, rien à dire de plus. Les couleurs sont juste géniales, hyper pigmentées et tout le tralala. Donc, c'est super. Donc ensuite, ce sont mes pinceaux de chez Zoeva. C'est le Classic Set Kit, un truc comme ça. Donc, il se compose de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pinceaux. Donc, il y en a un, je l'utilise pour mettre l'highlighter. Celui-ci, c'est pour... Ah, on me l'a dit. Zut. Une fille qui m'a dit sur Twitter, j'ai oublié. Ah oui! Le rat de cils, je m'en souviens. Celui-ci, c'est pour bien estomper la paupière. Celui-ci, c'est le pinceau parfait pour appliquer le fond de teint. Ensuite, nous avons un petit pour les sourcils, pour l'eyeliner, parfait pour tout, quoi. Celui-ci, c'est pour bien définir la paupière quand on veut genre un maquillage vraiment bien défini. Donc celui-ci, c'est également pour le rat de cils. Vous ne pouvez pas très bien le voir, mais il est tout petit. Et enfin, le dernier, c'est pour le contouring. Il est vraiment génial. Et sur The Beauties, donc, j'ai également pris cette base de chez NYX pour éliminer l'apparence du sébum, pour laisser la peau mate toute la journée. Ensuite, chez ELF, donc une poudre matifiante donc qu'on peut mettre par-dessus le correcteur, par-dessus le fond de teint. Elle est super bien, elle n'est pas hyper blanche, enfin elle laisse pas la peau blanche, contrairement à certaines poudres qui peuvent laisser un petit dépôt blanc ou quoi. Celle-ci, elle est super bien, donc voilà, j'en mets par-dessus le correcteur. Et puis ça tient assez bien, elle est très mate, donc c'est ce qu'on recherche, donc tant mieux. Pour appliquer cette poudre, j'ai également pris un pinceau, donc parfait, il épouse bien la forme des cernes, c'est génial. Et donc c'est le Small Tapered Brush, donc il est un peu en une forme conique et il est génial. Ensuite, pour continuer chez ELF, ça veut dire Eyes, Lips, Face. Il y a une boutique à Aix pour les filles qui sont intéressées. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est le Rosy Tan. Oh, il est trop trop beau, un beau nude, un petit peu rosé, mat, génial. Je l'ai pas testé encore, mais j'ai vu des photos et il était pas. Et enfin, pour finir chez ELF, le plus beau pinceau de la terre. Le pinceau, tu le vois, tu te dis, ah, oh, faut que j'achète. Un pinceau pour le contouring. Donc, il a exactement la forme de mes pommettes, genre des pommettes de tout le monde, je pense. Et donc, voilà, je l'applique comme ça. Il est hyper méga doux en plus. Je crois que c'était une édition limitée. Mais bon, il doit toujours en rester pour vous, je pense. Ensuite, ce sont deux fards à paupières de la marque Avril. Donc, je ne connaissais pas cette marque. C'est une marque bio. Il m'a envoyé ça et je ne l'ai pas testé encore, donc je vais le tester et je vous dirai si ça marche. Dites-moi. Donc nous avons un joli mauve comme ceci, ils sont assez pigmentés comme vous pouvez voir. Et nous avons le doré qui est lui aussi très pigmenté et assez pailleté, donc super. J'ai également pris un petit vernis parme, donc super joli, j'en avais pas des comme ça, j'aime trop la couleur pour l'été et tout, ça passe super bien. Et deux rouges à lèvres, donc celui-ci il est nude, donc comme le ELF. Mais un petit peu plus rosé celui-ci, j'aime beaucoup. Et un autre prune, il ressemble un petit peu à celui-là, mais c'est pas celui-là. Ensuite, le crayon MAC, donc celui-ci je l'ai acheté à la boutique de l'aéroport, c'est le Spice. Je l'ai mis dans ma dernière vidéo, vous l'avez vu, dans les tons de nude, marron clair un petit peu, super beau. Avec un rouge à lèvres nude, ça passe super bien, ou même rosé. Donc les deux là, ça irait vraiment hyper bien avec, donc je vais tester ça. Pronto, pronto. Un autre produit MAC que j'ai acheté au Duty Free de l'aéroport, donc c'est le Soft and Gentle Highlighter. Je vous l'ai montré dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà, donc je l'ai acheté récemment, donc je vous le présente aussi dans mon haul. Donc ensuite, continuons dans la catégorie cosmétique. Vous saviez qu'au Costa Rica, il y avait une boutique Victoria's Secret, j'avais mis des snaps. Si vous ne me suivez pas sur Snap, donc voilà, je me suis acheté une lotion hydratante corporelle, c'est la Passion Struck. Elle sent trop trop bon.
La fille m'a dit qu'elle était hyper hydratante. Bon, en même temps, elle va pas me dire autre chose, hein. Elle sent les fleurs. Ce sont la fleur avec un petit truc acidulé aussi. Bon, pas mal. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le parfum le plus chou de la planète. Oh, ils sont trop bons. Dommage, vous pouvez pas sentir. Mais santé. C'est un mélange de fruité et de sucré et de... Tu vois? Il y a aussi la lotion corporelle de la même odeur. Donc voilà, elles sont super bonnes. Je crois qu'elle est pailletée, donc encore mieux pour l'été. On a un body de folie. Et ensuite, il y a le parfum qu'on peut mettre dans son sac. Et en fait, c'est une petite bille. Donc c'est le même parfum que le pchit. Et on s'en met juste là. Donc voilà pour la catégorie make-up. Maintenant, on va passer aux habits. Une trop trop belle robe nude comme ça, ouverte sur le devant. Donc elle est assez moulante. Mais bon, j'aime bien la couleur, j'aime bien la forme. Et puis si on la met avec des petites tropéziennes, franchement ça passe et ça fait vraiment pas vulgaire. Ensuite, nous avons cette combi. Donc oui, c'est une combinaison et pas une robe. Très simple, avec des petites fleurs, avec une petite broderie noire sur le devant. Donc super féminin, j'adore, j'adore, j'adore. Toujours sur le site AX Paris, donc une trop trop belle combi short blanche, croisée dans le dos. Donc je vous mettrai les tailles de tous les articles dans la barre d'infos. Je vous mettrai juste le lien de l'article et la taille à côté. Donc ensuite, c'est sur un site chinois qui m'a proposé de m'envoyer des vêtements. Donc j'ai bien voulu tester parce que je connaissais pas les sites chinois. Et j'ai été agréablement surprise. Donc nous avons pu voir sur ma story Snapchat cette parfaite petite combi. Donc voilà, combi short à rayures blanches, rayures noires. Elle est vraiment super jolie, c'est de la assez bonne qualité. Les bretelles par contre, elles sont tordues. Genre, on peut pas bien les mettre correctement, elles sont toutes tordues. Ensuite, nous avons la combi short la plus immétable du monde. Donc ça se ferme juste avec un nœud comme ça. Je pense que je la mettrai pas souvent. Je l'ai vue sur le site, elle était trop belle, mais genre c'était une Australienne qui la portait. Mais franchement, je me suis dit, elle était pas mal, j'aime bien la couleur. Ensuite, nous avons cet ensemble, donc une magnifique jupe plissée sur le côté. Elle est vraiment hyper belle. C'est une matière un petit peu lycra. Et j'aime trop 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 le modèle, franchement c'est hyper beau, on peut le mettre avec tout, genre des tropéziennes, des baskets, ça peut vraiment bien passer avec des baskets. Ça fait un style complètement différent mais ça peut être super joli. Le petit haut il est un peu grand pour moi, je l'ai pris en XS je crois, que bah, je peux mettre avec un autre haut. Mais franchement cet ensemble j'aime trop 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 trop. Ensuite nous avons un maillot, donc il est magnifique ce maillot, franchement je pense que je vais le mettre tout l'été. Donc il est réversible, c'est un site thaïlandais. Mais c'est vraiment de la super bonne qualité, donc j'aime trop ce côté. Il y a différents motifs, allez voir sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça s'appelle Kongbun Swimwear. Kongbun. Donc voilà, réversible noir ou motif arc-en-ciel. Et le haut, canon aussi, canon, hein, voilà. Comme ça, et réversible. Trop trop beau. J'aime trop, bon, par contre pour bronzer, c'est pas trop ça, hein, j'avoue. Nous avons ensuite un autre maillot, donc celui-ci vient de chez Aqua Swimwear, il est trop beau. Je vous avais posté une photo sur Snapchat, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le même en blanc sur mon Instagram. Je vous le montre tout de suite. Donc c'est un maillot une pièce, je vais faire un peu alerte à Malibu avec ça, je ne vais pas le mettre souvent parce que bon, voilà, c'est pas super portable. Mais j'aime bien la forme, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il est vraiment joli. Nous avons ensuite 4 paires de chaussures. Donc les premières, celles que je portais sur la photo avec la montre et les bracelets. Donc elles viennent du site Ego Pro. Elles sont en daim un petit peu, elles sont hyper douces. Le talon il doit faire 11 cm. On dirait pas comme ça mais franchement elles sont hyper confortables. Ça tient vraiment super bien le pied. Ensuite nous avons celles-là, donc elles viennent du site Public Desire. Elles sont un petit peu moins confortables par contre. La fermeture éclair en haut, elle me fait mal. Donc c'est sur le site Santé Shoes, S-A-N-T-E Shoes. Donc deux magnifiques paires de shoes. Donc les premières, ce sont des beaux escarpins comme ceci, motif python. C'est pas du python, c'est juste du motif python, qu'on soit d'accord. Bon, ils sont pas hyper confortables, je suis d'accord, ça tient pas vraiment beaucoup le pied, cette petite lanière. C'est pour l'été avec les jambes bronzées. Et enfin, dernière paire de choses, je sais pas si vous allez aimer,
Moi, au début, j'étais pas chaud, mais ça passe. Franchement, ça passe. J'ai peur de vous les montrer. En fait, c'est comme des no-name, donc avec le gros, la grosse semelle. Devant, c'est comme un canapé, genre, vous voyez. Et là, bah, c'est la grosse semelle, donc elles sont très confortables. Ensuite, nous avons des tatouages dorés, donc c'est super beau. Je sais pas si vous l'avez vu, là j'en ai un. Donc ça fait super joli pour l'été et tout, ça passe trop bien quand on va à la plage. Donc j'en ai reçu plusieurs plaquettes. Là, j'ai un code promo si ça vous intéresse. Pour 3 tatouages achetés, il y a le 4e livret, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ça vient de ByTMC, donc c'est un site internet. Et aussi ce collier qui vient de The Peach Box. Donc c'est une petite barre avec des petits strass dessus. Et il y en a sur tout le collier. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Je vous retrouve bientôt pour ce make-up en anglais dans ma prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous.